éclaircir un peu la voix. Non, arrête de t'en faire sous le bras, ça suffit. Bon, alors je vais éviter de parler fort parce que, la caméra est très proche de ma bouche. Bah, c'est non donc. Je vais aussi essayer de parler fort parce que, un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je fais des vidéos le matin avec ma sœur qui dort à côté, j'ose pas lever la voix pour la réveiller, mais il faut que je le fasse. Alors, on sait que ma sœur, on s'en fout. Alors, je sais bien, je lui parlerai. Bon, lol, déjà des nageoires. Attendez, je vais commencer l'épisode sans présenter. Bah, c'est bon, donc, salut à tous et à toutes. C'est bon, attends, je vais vous se retrouve pour l'épisode 2 de Sport Hero. Et oui, Sport Hero, parce que j'ai envie de jouer à Sport Hero, ça vous gêne, ça vous pose un problème. Et bah, pas moi. Et donc, comme. Et donc, dans cet épisode, on avait commencé l'aventure, quoi. On venait de naître. J'ai l'impression de parler normalement, mais pourtant, je parle pas normalement. Hein. Bref, alors là, je viens d'avoir des nageoires. Parle plus fort. Plus fort. Allez, élève ta voix. Tu as une grosse voix. Non, je rigole. Donc, je viens d'avoir des nageoires. Et je voudrais bien changer de forme. Regarde cette forme. Putain. Qu'est-ce que c'est ces trucs? C'est ridicule. Putain. What? C'est quoi ça? Putain. Oh, la grosse boule de pierre. Attendez, je vais essayer de trouver une belle forme. Parce que... je suis enceinte. Ah, sérieusement, là. Y'a pas de truc, c'est tout ce qu'il y a. Oh la vache. Putain, c'est quoi ces formes? C'est la classe. On peut faire le... je suis le caméléon. Non, sérieusement, je trouve pas trop ce que je veux, mais bon. J'ai envie un peu de changer de forme. Je suis enrhumé encore et toujours, et ça me gale. Qu'est-ce que c'est que ça? Une cacahuète? Voilà, qui va mettre ça, quoi? Tiens, attends, j'ai peut-être une idée. Non, c'est pas cette forme-là que je voulais. Deux secondes, hein. C'est le moment chiant, mais bon, je vais faire un truc. Faut juste que. Non, au plus. Faut juste que je trouve une bonne forme. Ça peut-être. Je l'ai essayé à 2 secondes. Ouais mais non, c'est le la tête est trop basse. Ah putain, ça me gare. C'est pas ça. Non. C'est la bouche que je veux. Ouais, ça c'est classe. Ah ouais, ça c'est beau. Ah ouais, regardez, ça c'est pas mal. La joie, alors les pics, on va les mettre. Non, j'essaie de les coller quelque part. J'essaie de les caser. Ce que je voulais faire, attendez, c'est ça. Donc, je vais mettre les bras ici. Les... Non. Je veux juste que tu me... Non, putain. Hop, elle est là. Je veux que tu me déplaces les jambes. Voilà. C'est quel type de jambes que j'ai mis en fait? C'est ce qui s'appelle avoir une patte dans le trou, dans le cul. Putain, l'épisode il commence bien. Non! C'est ridicule. Voilà. Non. Ah si, tiens, bonne idée. Non. Putain, vous foutez de ma gueule. Non, putain, et ça c'est moche, quoi. J'ai les mollets qui partent en vrille. J'ai une nouvelle main? Ah ouais, mais ça on dirait des mains de... Enfin, on dirait des gants, quoi. Hop.
Genre, j'ai pas autre chose. Non, j'ai que ça, d'accord. Ça, on va peut-être le caser ici. Ah oui, j'avais dit que je ferais d'autres. Voilà, ici. Et on va changer la couleur, parce que cette couleur, c'est sympa, mais c'est la même couleur que mon monstre à moi. Le problème, c'est que les couleurs sont pas très belles, quoi. Enfin, c'est. Et j'ai encore l'impression de parler de tout bord. Hein. C'est un truc de malade. Je sais pas, vous trouvez pas ça un peu. Si on va mettre ça. Voilà, il est beau mon monstre. Sprawl. On peut changer son prénom à tout moment, hein, juste pour dire. Allez, let's go. Oh la classe! Oh il est classe! Attends, je regarde un peu ma caméra. Non, ça va aller. Ah, je l'aime bien. À la couleur, ça lui va bien. Les quatre pattes, ça va aussi. Les yeux sur la. Sur la bouche, attendez, et si je vais dans l'eau maintenant, il devrait pouvoir nager. Voilà, voilà. Donc, si j'étais allé dans l'eau sans nageoires qui sont ici sur mes fesses, et ben je me serais noyé. Voilà, donc on va récolter un peu de cristaux bleus. Et là, je suis fier de moi. Là, j'ai l'imagination. le mec qui est fier de lui juste parce qu'il a créé un monstre. Vous voyez, ça, c'est le genre de jeu. C'est peut-être pour gamin, mais moi j'adore parce que vous voyez, on peut créer son monstre comme on veut. Et moi, ce genre de jeu où on peut créer ses propres personnages, j'adore. Non, faut aller voir le sage, on va pas aller plus loin. Mais il est classe quand même. Ah, attends, il y a un cristal. Voilà. Alors, le sage, il est là-bas. Oui, bon, genre. On reconnaît Midji, hein. C'est lui, parce qu'à chaque fois, il nous fait. Ah non, tout le monde nous fait ça. Putain, il y a des cristaux bleus partout, c'est un truc de malade. Voilà, donc l'épisode commence bien parce que j'ai créé un nouveau monstre plutôt classe, j'ai envie de dire. Si vous voulez, si vous voulez en faire un truc, pendant tout le let's play, tous ceux qui regardent ce let's play, si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire en disant ce que vous pensez de ma créature. Si elle est moche, bien, ce que je devrais faire ou pas. J'accepterai tous les commentaires. Voilà, on va rajouter un petit peu de peps. Donc tous ceux qui regardent le let's play, vous pouvez me dire ce que vous pensez de ma créature. Vous pouvez même dire qu'elle est nulle, si vous le pensez vraiment, hein. Je serais de la changer. Bref, alors le sage. Alors, tu t'appelles Sport, je t'attendais. Tu as un pied pour ma statue de gardien ancestrale, c'est bien ça? Durant des années, j'ai veillé sur cette statue. Pour certains, ce n'est que de la pierre. Mais je sais que nous la compléterons pour envoyer un signal au gardien ancestral qui descendra alors du ciel. Cette chose que tu as, ces pieds de cristal que tu as obtenus à la vallée champignon, c'est la première étape pour compléter ma statue. Et voilà, donc en fait on peut customiser, si c'est un fort bien mot, l'idole. Mais bon, j'appelle pas trop ça customiser. Alors attendez deux secondes. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est les détails. Donc les pieds. L'école c'est. Attendez, on va lui mettre des détails. Voilà, ça c'est la classe. Enfin, ça c'est la classe. Y'a que dalle, hein. Voilà, on lui a foutu ses gros pieds. Ses gros petons. Tu as placé un élément essentiel sur mon idole de gardien. En effet, je laisse-moi te donner ceci, ça devrait être utile sur le chemin de pierre, du clair de lune. Un élément. Ça c'est les mêmes, c'est un peu les mêmes nageoires. Retrouve le Yeti dans le chemin de pierre du clair de lune. Le Yeti. Alors on va aller parler à lui. Putain, j'adore sa façon de courir, sauf que lui c'est un mec méga dur à battre. Hein. Niveau 9. Alors tu veux m'affronter dans un combat ou de quoi tu es capable? Battez le maître de combat 15 fois. 15 fois, c'est débile. Alors, la route de clair de lune, je crois que c'est là. Hein. En plus c'est un endroit plutôt sombre, c'est un peu chelou. J'en ai marre d'être enrhumé, ça me gave. Bon, en attendant, j'espère que pour ceux qui regardent le let's play, j'espère que ça vous plaît. Hein, parce que moi, franchement, je prends du plaisir. Hein. Surtout pour créer des créatures comme ça. Je dis, oh putain, on va aller dedans. Chemin du père du clair de lui. C'est ça. J'ai cru voir quelque chose. Non, c'est pas ça que j'ai cru. Non, on va affronter notre pire ennemi, je crois.
Voilà. C'est notre pire ennemi, là, la classe, quoi. C'est quoi? Zarkator? Alors te revoilà, une nouvelle planète, et pourtant tu es toujours là. Il est temps de régler ça, cet endroit est à moi. On dirait que cette brute cherche la bagarre, voyez-vous, vous me direz à lui. Demi-tour défi. Tu crois que tu peux me battre? Je suis bien plus fort que tu ne le seras jamais. Putain, c'est l'un des boss un peu chelou du jeu. Ah oui! Non. Tiens, prends-toi ça. Pour faire la charge, en fait, faut secouer les deux manettes en même temps. Vas-y, 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 vas-y. Prends-toi ça. C'est un peu bourrin, mais c'est pas grave. Prends-toi ça, bâtard. Vas-y, achève-le. Voilà, dans ta face. Va te foutre, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Attention, j'ai 4 pattes, moi, fais gaffe. Mes 4 pattes seront ma victoire. Attendez. J'essaie de me moucher un coup, mais bon. Sans faire comme bruit, bien sûr. Tu vas gagner cette fois, mais ce n'est pas fini. Vu quoi? What the fuck? Hein? Ah, faut détruire le cristal, je pense. Cassez-vous. Voilà. Si on détruisait pas le cristal, je pense qu'il revenait en boucle. Peut-être qu'après c'était pas ça. Hein. Peut-être qu'après il y avait juste un nombre minimal de lumière. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas le manger? Ok, bon, attends, on va manger des pommes. Allez, attendez, j'ai récupéré mes pommes. Si jamais on a besoin de ça, je viendrai le chercher, mais là, je la récupère. Je sais pas ce que c'est pas mangeable, on dirait. Bref, alors par contre, on est dans une grotte un peu sombre, avec quelques lumières. Putain, il y en a certains, ils sont des gueules. Grume, tu es le livreur de fruits de lune? Si ce n'est pas toi, rentre chez toi ou amène-moi un fruit de lune. Ah bah voilà. J'adore mon boss, franchement. Excusez-moi. Mais... bah voilà. Hop. Alors, par contre, comme je le dis, oui, c'est une grotte. Et ah d'accord, non, ils sont là. C'est juste que c'est trop lumineux. Vous voyez un peu moins le compteur de cristaux bleus et mes pommes, mais bon. Quel délicieux fruit de lune. Et il remplit un merveilleux mon ventre. Je suppose que je peux t'inviter dans notre nid. Tu peux peut-être nous aider. Bah oui, on gagne toujours un truc. Tu peux voir le Yeti derrière moi. C'est le protecteur de notre tribu. Il est coincé en ce moment. Je pense que je pourrais le libérer avec l'aide de mes amis. Tu peux aller chercher mes 3 amis et me les envoyer. Il est où le Yeti en fait là? Monsieur le Yeti bizarre. Et ah, ok, lui il a des emmerdes. J'espère que tu arriveras à les trouver. T'inquiète. Envie d'un fruit de lune. J'ai la flemme d'aller chercher mes pommes. Mes pommes. Ah, d'accord, c'est lui. Putain, il a une de ses classes, le Yeti. Non, je casse. Non, je vais pas aller au nid, je sais pas ce que je pourrais rajouter, donc on va pas y aller. Non. Aïe, vous emmerde. Oh, un autre nid. Il y a des nids partout aussi, c'est vrai. Il y a des squelettes partout aussi. Ah oui, on va en trouver des trucs, hein, ça je voulais dire. Alors. Aïe! Ouah, c'est quoi ces saloperies là? Ah oui, qu'il y a des détails, hein. Faut pas croire, y a pas que les combats qui sont chiants. Putain. J'ai un œil de psychopathe. N'y pense même pas, saloperie de fleurs.
putain, son chien. Putain, il est là. On est pas bon. Putain, mais comment veux-tu passer sans faire tout chier, quoi? Hey! Ouais, on est d'accord sur un point là. Le temps que vous les atteignez, ils ont le temps de vous toucher 10 fois. Alors je sais pas si dans cet épisode on réussira à sauver une petite glace, ça fait déjà 15 minutes. Je sais pas, mais on va explorer bien. On va bien explorer ces droites. Hein. Non mais dites pas que je me suis fait défoncer le cul juste pour ça quoi. Alors, ouf, j'ai eu peur, hein. Il y a un chemin. J'ai jamais fait de monstre à quatre pattes, ça fait bizarre comme ça. Mais bon, je trouve qu'il est bien, mon monstre. Arrête, tais-toi, on a compris. Va te faire bien foutre. J'ai l'impression qu'il faut deux ailes ou quoi, là, pour... Attends, hop. J'ai pas d'ailes. Ah, j'ai... C'est quoi ça? Ça permet de nager. Il y a aucune différence entre ces deux-là. J'ai une nouvelle main, tiens. Non, les mains. Les... Va te faire. Encore. Non! Ah, c'est gavant, parfois, ça, je vous le dis. Remets-moi bien ça. C'est perturbant, hein. Là, c'est limite. Merci. La classe, les mains. Ah, j'ai une nouvelle. Ah oui, non, mais ils sont moches. Mais mes yeux, j'aime bien mes yeux, comme ça. De psychopathe, ce truc. Attends. On va l'enlever, on va mettre les nouveaux yeux pour voir. Ok, il les a pas pris, très bien. Oh, ça fait moche, on dirait qu'il avait un monstre. Non, regarde, c'était pas une blague, hein, c'était juste pour dire la vérité. Je préfère comme ça. Oui, pourquoi pas. Mais non. Ouais. On va rien changer, hein, je vois pas ce qui... Je vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autres ou en rajouter, hein. Mettre d'autres ont rajouté, c'est la même chose, mec. J'ai des petites mémines. Oh merde, pardon, excuse. Putain, ouais. Allez. Yeah. Ah. Là-bas. Allez. Ah merde. Putain, mais je me clash par terre. Mais qu'est-ce que c'est que ça déjà? Oh. Ah mais ça va, je peux aller chercher au niveau du lit. Bon ça, la grotte est un peu... What? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est noir. Bon la grotte est un peu lumineuse, mais bon... Pff. C'est comme ça le... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, des amis, cool. Zardoc. Et toi là-bas, aide-nous. Fais quelque chose contre cette bestiole. L'attaque des bestioles, détruire les météorites rouges. Non, je crois qu'ils sont gentils, c'est juste qu'ils ont été. Oh, il y a l'autre là-bas. Ah, mais ils sont tous là. Attends. Dégage. C'est toujours moi qui dois toujours tout faire, hein. On me fait niasse. Salut, toi. Un fruit normal, Burk. Ah non, en fait, je crois que lui, il n'était pas possédé, hein. Il avait que dalle, en fait. Attendez. Hop. Allez dans l'eau.
Bah, ça va plutôt vite s'ils sont tous les trois là. Moi je m'attendais à ce qu'ils soient, ce qu'il y en ait deux dans un endroit et un seul dans un autre endroit. Mais non, ils sont tous au même endroit. Ah, enfin, un morceau d'idole secondaire. Hein, parce que les vrais morceaux, c'est les yeux, les mains, les pieds et d'autres trucs. Bonjour, vous voulez qu'on parle? Recule, petite créature. Oh, t'es classe, toi, on dirait un dinosaure. Ce ne sont pas tes affaires. On va faire taire Zingli une bonne fois pour toutes. Bonjour, étranger, aide-moi, je t'en prie. Il chante, en fait, c'est ça? Ce chant horrible s'arrête donc jamais. Ouais, je battais les brutes pour sauver le chanteur. Elle vient de fighter, mec. Merde. Oh, merde. Bien joué. Ils ont beaucoup de vie, hein. Je crois que je me suis confronté à Katarn un peu plus fort. Il n'y a que la violence qui règle, hein. Je suis un peu en train de perdre, là. Je vais faire défoncer. Je me suis fait défoncer. Voilà, je suis mort. Putain. Ouais, je suis mort. Putain. Ah, pourtant j'y étais presque. Pourquoi tout est obligé de se régler par la violence? Oui, je sais. Vous retournez dans les débloqués le plus proche. Ah oui, c'est là. Ah, en fait, je suis pas allé voir les deux autres là. Ah d'accord, fallait Eh, hey, je t'ai aidé. Je déteste les fruits normaux. Par contre, tout le monde aime les fruits de lune. La plage des créatures. La plage des créatures, ah oui, ça. La plage des créatures, c'est un endroit qu'on débloque vers la fin si je... Je m'abuse. Qu'est-ce que tu fous de... Bonjour. Merci mon ami, tu les as tous éliminés. J'aurais pu le faire moi-même, mais tu sais, je devrais m'occuper de mon ami. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui les retenais pendant que tu criais comme une mauviette. Bah, casse, mec. Je n'ai peur de rien. Va devant, en ce cas. Oh, créature sans peur. Bon, je m'en vais. Si tu as besoin de moi, je serai dans mon lit. C'est de là, je te jure. Ça veut dire quand même que cette tribu de monstres a une tête de tapette. Hein, faut... je dis ça, je dis rien. Tordu. Bon. Je me suis fait défoncer la gueule, là. Wouhou, je nage. Il y a des... ça là. Il n'y a pas de pommes. Ah, tiens. Trop longtemps, je suis en train de visiter, quoi. C'est... Faut dire quand même que les combats sont assez bourrins. Fait mal. Je me suis fait démonter là. Je me fais démolir. C'est quoi ces sauts? Je me fais démolir, c'est un truc de malade. Oh là là. Attendez. Les armes, ouais, mais les armes sont... Rétablir, annuler. Ok, d'accord. Votre créature 2.
Ah, d'accord. Et l'autre, il est niveau combien qu'on rigole? Qu'on rigole à mon coup. Difficile. Niveau 4, ah ouais. Pourtant, la première fois, j'ai. Enfin, la première fois que je l'ai combattu, j'étais presque. Hein. Mais non, mais. Les commandes réagissent mal parfois. Je saute assez haut, je pense. Putain, mais. Ah, j'oublie mes esquives. Voilà, voilà, c'est ça que j'oublie. Putain, je me fais défoncer à chaque fois. Il faut dire qu'il est niveau 4, moi je suis niveau 2, que veux-tu que je fasse? Je sais pas en rajoutant des trucs et des bidules que. Tu vois, ouais, pourquoi pas. C'est. Bonjour. Tout sur les yeux. Je possède la barbe. C'est ridicule. Non, on peut pas savoir quel niveau il est, non. Il n'a pas commande. Capacité. Non. Je sais pas. Ouais, mais ça veut dire que t'es tout le temps obligé de changer ta créature, hein. C'est chelou, ouais. Ah. Quoi? La complexité de votre créature atteint le maximum. Vous devez retirer. Ah oui, c'est ça. J'allais cru que vous alliez dire. Putain. Blaye. Je peux pas. Je peux pas mettre de trucs. D'accord, d'accord, génial, génial, je crois que c'est peut-être pourri. Mais que de classe, dites-moi. Mais hey, je sais comment on fait pour voir notre niveau quand on est sur le nid. Quand on est dehors, il suffit de passer le curseur sur le niveau de toujours. Ah, pourtant je la trouve classe comme ça, ma créature, dommage. Qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? T'es censé être Ronny? Bonjour, je n'ai pas, c'est pas que je n'ai peur, mais je ne voudrais pas m'aider à passer ces plantes affamées. Oh non, t'es sérieux, mais. Mais tu prends le geyser qui est à côté. Ah non, il y a le chat. Bon, ça, je vais fermer. Oh, mais il a des ailes, lui. Donne-moi des ailes. Ouais. 29 minutes, ça va bientôt faire une demi-heure, putain. C'est bon, content? Merci pourtant, je devrais retourner à mon nid et partir d'ici. Eh, pep, donne-moi un truc, toi, espèce de meuf. Merci.
Et... Thanks. C'est chiant, hein. J'ai fait une belle créature. Enfin, je la trouve classe, moi, je trouve ça. Ce que je devrais faire, c'est faire une créature par épisode. Hein. Bon, bien sûr, leur rajouter des détails et tout ça, mais... Je veux dire, éviter de changer de créature toutes les deux zones, parce que, voilà, quoi, le jeu, c'est pas juste tu vas sur le lit et tu changes ta gueule, quoi, c'est... C'est pas ça. Rien ne peut se régler par la gentillesse. 1, 2... Il est où l'autre? Il est où l'autre con? Non, je touche pas, je peux pas, gueule. J'en ai jamais tombé dans l'eau, là. Il en manque un. Attendez, il y en a deux là-haut. Ah, faut des ailes, je crois. Mais j'ai pas d'ailes. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait des pommes. Cool, des pommes. Des pommes. Oh putain de merde. Donc voyons. Alors, non. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais ils sont vraiment débiles. Ah, je me sens si faible, je n'ai plus d'énergie. Si seulement tu m'as amené à un fruit de lait, ça me redonnera sûrement assez d'énergie pour retourner à mon lit. Sérieux, mec? What, c'était quoi ça? Ok, d'accord, je crois que je suis confronté à un mec totalement chelou. Je sens que je vais me faire encore défoncer la gueule. Et parfois, c'est chiant ça. Putain, il me fait mal. Oh putain, j'ai gagné. Oh la vache. Et là, je n'attendais pas, tu vois. Félicitations, vous avez trouvé une quête secrète. Oui, c'est une quête secrète, génial. Élément de l'idole. Ouais, si je prends un fruit, il va encore venir le... Putain, c'est un enculé. Attends, je me dis, je suis obligé d'aller chercher un autre fruit. Je sais même pas quel niveau il était, en fait. Il était niveau 4. Mais il était niveau 4 et j'ai réussi à le battre et l'autre j'y arrive pas, mais c'est dingue. Hein. Bon, moi j'ai réussi une quête secrète. Oui, on a plusieurs. Je voudrais bien libérer le Yeti avant d'arrêter, il y a juste à faire deux combats. Putain, les portes de saté. Chiant ces plantes. Putain, il va vite. Il l'a mangé en courant, c'est parce que ma vie est remontée, hein. Ça je l'ai eu. Alors, si je laisse mes fruits ici, ça va.
on ne touche jamais fruits. Hein. C'est ma réserve de fruits. Ah tiens, j'ai un cristal bleu ici. Je l'ai raté. Parce que le mec qui me parlait... Ah, il y a des pommes aussi ici. Bon, allez, on va chercher un fruit de lune. C'est... Non. Putain. Eh non, mais... C'est une farce. Attends, mettez le fruit de lune dans votre inventaire en appuyant sur B ou en le pointant en mettant A, on le ramasser. Ouais, parce que sinon on va pas s'en sortir là. Je savais bien qu'on pouvait. Bah oui, mais c'est drôle. Attends, c'est une blague. C'est quoi ces conneries là? Je vais prendre un fruit. Ah tiens, petit cachotier. Ok, je viens plus. Ça va être utile. On va essayer de faire un truc. On va lui donner une pomme, je sais qu'il va pas aimer ça, mais bon. Non, j'essaie de me fighter contre l'autre, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Vite, 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 vite. Voilà. D'accord. Ah ouais, d'accord, donc en fait il fallait l'endormir. Normal. C'est totalement bizarre. Je suis sûr que toutes mes pommes ont disparu, hein, connaissant le jeu. Voilà, elles ont toutes disparu. Alors je vais essayer de tomber dans l'eau pour une fois. Si c'est possible. Voilà. On n'a pas de douleur. Franchement, on les libère puis ils rentrent pas chez eux. Quoi. Merci beaucoup pour ce fruit de job sans favigorer. Maintenant, je vais pouvoir retourner à mon île. Ouais. C'est pas par là. Ah, d'accord. Parce que lui, il a des ailes, donc il peut y aller. Moi, j'ai pas d'ailes. Et ça, c'est chelou. Un chanteur fatigué. Attendez deux minutes. Hein. Non, je crois entendre un truc. Mais... C'est lui. Comment il fait ça? Je t'ai arrêté. Oui, j'essaye sans cesse. Putain, mais en arrière. Eh, mais que veux-tu que je fasse? S'il me lamine encore et encore, on n'est pas sorti. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris dans ce sport, Lilo. Comment veux-tu faire augmenter de niveau ta créature? Comment, hein, je sais pas moi. Hein. C'est pas en changeant de forme toutes les deux secondes que ça va arranger quelque chose. Putain, ça fait bizarre là. Bon allez, on va refaire la créature ridicule. Ouais, c'est pas...
jouer les mettre, mais bon. Voilà, ça je comprends pas. Franchement, c'est. Quelqu'un comprend le système de montée de niveau, c'est pas en mettant 350. Bon, c'est pas en mettant 200 milliards de choses que. Non, enlève-les. C'est débile, franchement, c'est. Il n'y a aucune raison. On va mettre quatrième paire de bras. Non, putain, et ça c'est gavant ça aussi. Non, pas trop, putain. Non. Non, pas les nageoires. Mais non, mais oh là là, c'est gavant là. Là, je vous le dis. Voilà, c'est moche. Mais bon. Et voilà, je suis sûr qu'il est encore en niveau 2. Hein. Niveau 2, voilà. Oh putain, c'est la classe comme ça. Oh putain, c'est classe avec les rayures jaunes là. Sérieusement, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux rien faire de plus. Ah bah là il se défend pas, vous êtes drôle là. Ils font des esquisses, c'est un truc de mal. Ça. LOL. En plus. Putain, c'est pas ça que je vais faire. Mais non! Mais non, encore laminé, mais c'est pas vrai! Mais va te faire foutre! Eh, hey, mais c'est gavant là! Vous voulez que je fasse quoi d'autre? J'ai pas 598 milliards d'éléments! Vous voulez que je mette quoi d'autre? Hein? En armes, j'ai rien, les bras, bah. Pff. Génial, je vais pas mettre 200 paires de bras, les jambes c'est pareil, les nageoires j'en ai besoin parce que sinon je peux pas traverser. Vous voulez que je fasse quoi? C'est drôle. Enfin, je pense qu'on sera obligé de s'arrêter sur une défaite. Hein. C'est déjà 43 minutes. Mais il me fait méga mal, mais ça me cave. Non, c'est pas ça que je veux faire. À moins que je me donne plus de vie, bien évidemment. Mais comment en faire? Je n'en ai aucune idée. Hein. Mais il m'enchaîne! Mais ça, c'est bien avant. Je déteste les ennemis qui enchaînent. Voilà, je fais un esquive par derrière. Il fait quoi? Il va surcoter. Ça aussi, c'est bien. Là, je commence à. Perdre confiance, enfin, confiance, non. Je raconte que des conneries. Perdre patience. Vous voulez que je fasse quoi? C'est drôle, vous. Hein, que je. La changer la peinture, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Lance-poison. Ah. Ça, c'est intéressant. J'aime bien me coller. Prends. Mais. Wow! Tu vas me prendre cette merde là? Peut-être se. Voilà, attends, non. Bon, vous savez quoi? Je pense que la prochaine fois, hein, vu que j'ai dit qu'à chaque épisode on changerait de monstre, bah je pense qu'à chaque fois en fait, avant de. Non, mais je veux savoir. Euh...
pas ça que je voulais savoir, c'est je voulais savoir comment activer les crasheurs là. Voilà, niveau 3. Pas savoir. C'est dingue, hein. Voilà, là ma vie a augmenté d'un cran. Et c'est génial. C'est magique, franchement, c'est. Ah, je vais pas la laisser comme ça, ma créature, hein. Je vais la remettre comme avant, hein. Ah, maintenant bien renforcé pour construire un jeu, j'ai mieux pour faire une attaque à distance. D'accord. Ah merde, attends, je me suis trompé. Ah, celle-là, c'est un entraînement. Attends, hop. Bah allez, maintenant. Mais tu crois que tu fais quoi, mec? Non, mais. Eh, mais il est insupportable. What? Non, mais ça, ça me gave. Je fais quoi là tout à l'heure? J'appuie sur B jusqu'où? L'autre m'a pris comme un con. Hein. Putain! Putain, ça fait foutre. Il me fait toujours méga mal, hein. C'est, ça change à rien. C'est vrai, il faut faire une attaque sur le côté. Enfin, faut faire une esquive sur le côté. Mais pousse! Je suis bloqué! Eh, mais il commence à me péter les ce truc! Vas-y, achève-moi quand on finit, parce que là, tu commences à me casser les couilles. Enfin, voilà, je l'ai dit, vous êtes content? Voilà, je l'ai dit, voilà, voilà, c'est bon. Hein. Vous qui cherchez, vous qui voulez que je dise des trucs, c'est bon, je l'ai dit. Non, sérieusement, non, mais c'est chiant là, à un moment. Je veux bien perdre quelques fois en disant ouais d'accord j'ai compris l'erreur mais là waouh faut se calmer hein. Il me lamine toujours et encore hein c'est culé non ouf. Mais non mais laisse-moi mec derrière. Mais pourquoi il me la mine? Eh non mais. Mais putain, mais. Oh, mais c'est infernal! Mais c'est un truc de fou! Mais non, mais je me suis trompé, putain! Mais la reine, elle est minuscule, c'est un truc de malade! Mais non, fais pas ça, mais... Quand je l'esquive, quand il fait une charge, je veux qu'il lui fonce dessus avec la même attaque. Mais non, à chaque fois, il me faut un petit coup de poing. Oh là, et là, ça me gave, là, franchement, c'est gavant. Et non, mais... Là, je suis sûr qu'il y en a qui sont... Ouais, mais faut customiser la créature, ouais. Ouais, mais faut faire quoi? Faut lui rajouter quoi? Hein? Des feuilles, peut-être? Oui, c'est sûr qu'une feuille, ça va être grave utile contre ce genre de monstre. Hein, c'est sûr, tu veux lui faire des guili-guili avec une feuille? Ou même la plume? Non, la plume c'est mieux pour faire des guili-guili. Il était où mon. Putain, toutes ces conneries, j'oublie ce que c'était ma forme. C'est ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as les yeux comme ça, mec? Ah, d'accord, c'était de travers. Voilà, on est reparti. Qu'est-ce que je voulais? En fait, je m'énerve. C'est un épisode génial, hein. Libération. Voilà, double canon. Non, c'est putain de. Et ça, ça m'égale, hein, franchement. Là, ça... Merci de déplacer le bras. Remettre les jambes un peu plus par là. Et putain, c'est. Il est classe ce truc, hein, avec le bras là, 50 minutes. Non mais. Bon, quel niveau je suis là?
Non, mais niveau 2. Niveau 2. Pourquoi, hein? Pourquoi je suis niveau 2? Parce que je l'ai remis avec sa forme avant, c'est ça? Les formes aussi ont un niveau? Ça veut dire que t'es obligé de te coltiner une forme spéciale pour avoir certains niveaux bas ou élevés, c'est ça? Donc si jamais je veux un monstre fort avec cette tronche, je peux pas, c'est ça, hein? Tu seras toujours niveau 2. Eh ben je vous emmerde, hein. Putain. Eh ben vous avez besoin de s'arrêter parce que là c'est insupportable. Bon, dans le prochain épisode avant de le... Enfin, le prochain épisode. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais bon. Bah, le prochain épisode, je le ferai, je sais pas quand. Mais bon, avant de commencer le prochain épisode, j'essaierai de faire un monstre au niveau 3 ou 4. 4, tu sais. Possible. Waouh, on en apprend toujours avec lui. Bref. Pourtant, je le trouve classe comme ça. J'aime bien, moi. C'est chiant, je suis obligé de changer de forme. Bref, ça dure trop longtemps, hein, on va pas exagérer non plus. Donc, j'espère que cet épisode 100% galère vous a plu. Laissez déjà des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine, hein, parce que j'ai plus envie de galérer, ça commence à me les briser. Voilà, voilà, voilà. Allez, salut et à la prochaine. Déçu, hein, déçu.